Bonjour Madame la Ministre, j'aurais deux questions à vous poser. La première c'est, vous venez d'expérimenter le secteur de la construction, quelles sont vos impressions ? Je pense que c'est vraiment une très bonne chose qu'il y ait ici des stands interactifs qui puissent aussi attirer les jeunes. Aujourd'hui, nous recrutons massivement dans le domaine de la construction comme à la défense. Et donc c'est important aussi que les personnes qui visitent ce salon se rendent compte aujourd'hui de ce qu'est ce métier. Et là, évidemment, c'est un stand particulièrement ludique où on peut s'essayer aussi aux nouvelles technologies et je pense que ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Et une deuxième question en termes d'investissement public. La défense et la construction ont le même combat. Mais à qui donner la priorité, par exemple ? Alors vraiment, l'objectif ici, c'est de travailler avec l'ensemble des secteurs et la défense, qu'on soit des partenaires. Nous avons lancé le projet Reboot for You, entreprise et défense. La défense, elle offre l'encadrement structurant. Elle permet à ces jeunes qui ont peut-être décroché de l'emploi de se remettre dans les bons rails. Et ensuite, ils choisissent une formation de leur choix, notamment dans la construction. Ça dure quelques semaines. Ils reviennent en unité. Ils se reforment à nouveau et au bout du compte, après 6 mois, il y a un emploi à la clé, soit dans l'entreprise, soit à la défense comme civil ou comme militaire, mais alors il faudra une formation complémentaire. C'est vraiment ensemble. Ensemble, nous devons unir nos moyens. Il y a aujourd'hui en Belgique des jeunes qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'emploi, mais qui ne demandent qu'à travailler et nous devons les épauler. C'est pour ça, et c'est historique, que la défense est ce partenaire des entreprises. Un grand merci. Merci beaucoup.